inattendue, la montée de l'extrême droite en France et en Europe suscite des inquiétudes parmi les communautés d'immigrés, notamment les Algériens vivant en France. Le Rassemblement national, RN, a obtenu un score impressionnant de 31,5% aux dernières élections européennes, laissant présager des changements importants. Les politiques restrictives de l'extrême droite pourraient rendre la vie des immigrés encore plus précaire en France. La nouvelle loi sur l'immigration risque de durcir les conditions déjà strictes, soulevant des craintes et des incertitudes parmi les communautés immigrées. Malgré ces défis, certains restent optimistes quant à la limitation des mesures draconiennes. Les accords bilatéraux de 1968, régissant les Algériens en France, pourraient offrir une certaine protection, mais le RN envisage de les remettre en question en cas de victoire électorale. La perspective d'une préférence nationale et d'une politique d'expulsion massive inquiète les immigrés en France. Les libertés religieuses pourraient également être restreintes, laissant planer des horizons sombres pour les communautés immigrées. Face à ces incertitudes, les immigrés comme Brahim et Malika expriment leur inquiétude quant à leur avenir en France. La contribution essentielle des immigrés à l'économie française est soulignée, mettant en lumière les enjeux sociaux et humains de ces politiques.